Bienvenue dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leur vie de leurs rêves, osé être eux-mêmes, ouvrir les cadeaux que leur propose la vie et surfer sous la vague. Aujourd'hui, nous partons sur Nîmes, pas loin de chez moi, dans le Gard, où j'ai l'honneur d'accueillir Sandrine Dumas, qui, il y a 2 ans, a pris, dit-elle, du recul dans la vie et sur sa vie pour écrire son premier livre, Être capable de s'assumer pour se réaliser, aux éditions d'Ambossès. Cela faisait bien longtemps qu'elle travaillait sur son bien-être en s'étant toujours promis de faire en sorte d'être heureuse et en pleine santé. Au fur et à mesure de son chemin, elle a pris conscience que rien n'était dû au hasard et que les différentes étapes traversées étaient là pour l'amener vers qui elle est. Elle est devenue une nouvelle Sandrine qui s'assume, prend des risques et qui ose pour mieux s'épanouir et continuer. Un bel exemple de sortie de zone de confort, vous allez voir. Elle vient de quitter 21 ans de fonction publique pour être libre et faire ce qu'elle désire. Coacher, former, animer sur le respect de soi et de notre environnement. Hello Sandrine, bienvenue dans les Oui, c'est possible. Céline, bonjour. Alors, tu viens de quitter la fonction publique, tu vas nous expliquer, c'est quoi ton Oui, c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire le grand saut? Qu'est-ce qui s'est passé pour faire le grand saut? Il s'est passé une prise de conscience. T'as très bien résumé en fait mon histoire de vie et le pourquoi du comment de ma révolution. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu l'as dit, en fait, j'ai travaillé sur moi depuis des années pour me trouver parce que j'ai traversé des étapes pas très faciles que je décris dans mon livre. Et puis, mon cheminement, il a continué dans ma quête du bien-être, on va dire, mon élévation spirituelle, mais au sens large, hein. Et puis, il y a 2 ans de ça, je me posais la question vraiment au sein de la fonction publique, hein. Je travaillais à une métropole où je m'occupais donc des déchets, l'éducation à l'environnement. Et puis, tous les matins que j'arrivais, je montais les étages, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? J'arrivais sur le parking et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Malgré un métier intéressant, parce que 21 ans dans le milieu des déchets, dans la sensibilisation, je faisais de l'éducation avec des enfants, des adultes, de la formation adulte, des professionnels, enfin, tout public confondu. Et malgré que j'avais pas un métier inintéressant, loin de là, parce que j'avais toujours un beau retour avec toujours un grand sourire, mais j'avais plus ce que je voulais en fait. J'avais plus parce que je me rendais compte que j'arrivais, je devais dire bonjour à des gens que j'avais pas spécialement envie de croiser, mais hormis ça, je devais être la petite fille du patron et ça m'insupportait. C'était devenu une anti-moi sur le fait que je devais dire bonjour et puis je me reconnaissais plus. Pourtant c'est pas si loin que ça, hein. Il y a juste un mois officiellement, mais je me reconnaissais pas. Apprendre à ce qu'on me dicte ce que je devais faire. Et là, c'était plus possible. J'ai accepté. Et puis, depuis 2 ans, je réfléchis sur qu'est-ce que je vais faire, etc. Dans quel domaine je vais pouvoir agir, sachant que je voulais faire du bien-être, mais comment ça allait s'articuler, je ne savais pas. Mais voilà, je savais qu'il y aurait un tremplin et que j'allais passer à autre chose. Comme je dis dans mon livre, en fait, si vous avez la chance de le lire, j'ai traversé des étapes plus ou moins difficiles où j'ai assumé et donc je suis allée de l'avant. Et ben là, en fait, j'en étais en fin de livre. C'est aussi une conclusion de « Ouais, je vais partir de mon monde de fonctionnaire et puis l'autre étape à assumer, ça sera le nouveau moi sur ma reconversion professionnelle, on va dire. » Et ça a été quoi le déclic pour dire « Là, je fais ma lettre ?» pour partir de la fonction publique. Et quel a été le déclic? Parce que très souvent, on tourne en rond, on est voilà, oui mais parce que je peux pas, etc. Qu'est-ce qui a été le déclic pour sortir du monde du fonctionnaire, d'écrire ta lettre? Parce que c'est important, hein, de dire stop. Ouais, il y a eu plusieurs réflexions parce que, alors écoutez les autres, c'est fais attention, ta zone de confort, tu te rends pas compte, et t'as 3 enfants, et puis t'as ta maison, t'es toute seule à assumer tout ça. Donc, mais jusqu'à il y a un an, la fonction publique n'autorisait pas ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le choix soit de la mise à dispo où tu pouvais partir, mais tu partais avec Walou, avec zéro, et puis donc si t'avais pas 3 ronds de côté, c'était foncièrement ou un mari à côté pour pouvoir subvenir à toutes les dépenses. C'était compliqué parce que le tremplin, il n'est pas jamais évident.
Mais là, en fait, j'ai pris l'occasion de la rupture conventionnelle. Donc, ça m'a aidée pour me dire, OK, tu vas partir avec un petit pécule parce que du coup, tu pars avec une certaine somme parce que ça fait longtemps que tu es là, enfin, plus ou moins. Et puis là-dessus, ça t'ouvre des droits au chômage qui n'étaient pas le cas jusqu'à il y a un an. Voilà, donc j'ai sauté sur cette belle occasion. Merci la vie de pouvoir donner la chance à des fonctionnaires de pouvoir partir et puis de rebondir sur un autre projet. C'est vraiment ça, parce qu'avant, je ne dis pas que je ne serais pas partie, mais j'aurais calculé de manière différente. En disant, je vais prendre mes économies, les proratiser, là, c'était beaucoup plus facile dans… Voilà, j'ai un an de recul. En fait, avec ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, je vis un an. Et j'ai un an pour concrétiser et développer ce que je veux faire. D'accord, c'est un bel objectif. Et donc, du coup, est-ce que tu as eu peur? Moi, j'ai envie tes peurs, elles étaient où? Alors, tes peurs avant que tu écrives cette lettre, que tu avais cette envie, comme tu disais, tu dis bien, je ne vibrais plus. Ce n'est pas que je n'aimais pas, c'est que je ne vibrais plus, je ne m'y reconnaissais plus. Ouais. C'était quoi tes peurs avant de basculer? C'était quoi tes peurs? C'était de me perdre sur peut-être le fil conducteur de ce que je veux faire, parce que j'ai tendance à m'écarter dans tous les sens. Ou alors, effectivement, je disais que le côté financier n'avait peut-être pas… je n'y attachais pas, mais si, je m'aperçois avec du recul que, ouais, il y a la barrière du côté financier. On peut le tourner dans tous les sens. On en revient à, oui, j'ai des factures, oui, j'ai ça. Et il faut bien le calculer, quoi. La peur du manque. La peur du manque sans en être une réellement, parce que si tu veux, je ne me disais pas au quotidien que je ne vais pas y arriver. J'ai tellement confiance en ce que je peux amener et puis la vie que j'avais une crainte financière, on va dire effectivement, de ne pas arriver jusqu'au bout, de faire en sorte que mon projet mette du temps et qu'à un moment, ouais, je suis prise de panique. Voilà, mais dans l'immédiat du tremplin, peut-être moins, quoi. Et une fois que tu as écrit cette lettre, là, que tu l'as envoyée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront, et surtout dans la fonction, et dans la fonction publique et ailleurs, quand on quitte un job pour aller réaliser ses rêves, quand tu as mis cette lettre là, dans la boîte aux lettres. Alors, ça a été, c'est une signature que j'ai faite directement dans le bureau, quoi, de la DRH, mais… Je me suis dit, là, tu ne fais pas marche en arrière, quoi. Parce que, voilà, on me disait, fais un mi-temps, un quart-temps, enfin, peu importe, mais ne pars pas. Mais non, en fait, moi, dans ma révolution, c'est… Je pense qu'il faut partir. Si on veut accomplir autre chose, c'est tout ou rien. La demi-mesure, pour moi, elle n'était pas possible parce que je n'aurais pas été libre complètement et j'aurais toujours eu une porte de secours. Donc là, moi, c'était me donner vraiment les moyens à 100%, 1000%. Je tourne une page, comme j'ai divorcé, comme j'ai assumé d'autres choses. Pour moi, c'est bon, je tourne la page de ce beau monde de fonctionnaires qui m'a apporté mille et belles choses parce que toutes mes connaissances, ben oui, j'en ai quand même emmagasiné pas mal du fait de ce travail, et merci. Mais je tourne, je ferme et je m'assume vraiment de manière complètement différente sur une nouvelle vie, un nouveau projet. Donc… Non, c'était juste peut-être le montant des conditions de la rupture. Hein, voilà, ou peut-être on allait m'embêter ou quoi que ce soit, mais non, ça s'est bien concrétisé, donc voilà. Donc c'était le moment. Ouais, carrément. Et, alors, tu as eu des peurs. Là, maintenant, ça y est, tu t'es lancée, il n'y a pas longtemps, c'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf, c'est ça, et pas de peur. Pas de peur. Et alors, qu'est-ce que tu ressens justement? Alors, comment tu le vis tout ça là? Mais je suis la plus heureuse du monde. Je n'ai plus à me… Bien sûr, j'ai toujours un réveil le matin parce que je me dis que si je veux développer quelque chose, je ne vais pas me lézarder et puis me lever à 11h. Bon, je n'y arrive pas, mais voilà. Donc, je me donne un objectif. Je me suis fait un planning de travail. Puis bon, il y a toujours les enfants aussi, hein, quelque part à droite, à gauche. Donc, la vie de maman et tout ça, elle y est. Et dans ce cadre-là, oui, je fais quand même ce que je veux parce que je n'ai plus la contrainte. Évite de prendre la voiture et d'être à 8 heures sur le parking et de ne pas être en retard parce qu'on va te dire et pourquoi t'es si… Ah non, non, ça, j'en voulais plus, je ne l'ai plus et je suis soulagée de ce côté-là. C'est un pur bonheur pour moi de ne plus avoir de contraintes d'aller là-bas. C'est ma notion, en fait, si vous voulez, je voulais acquérir ma notion de liberté professionnelle et rendre compte qu'à moi et de mettre toute mon énergie à mon service et pas
J'ai été capable d'écrire un livre parce que le titre du livre, c'est « Être capable de » et mon site, c'est « Être capable de ». Et ça revient à ton programme « Ose ». C'est pareil, qu'on est capable, on ose, je veux dire, ça revient à la même chose. Mais voilà, il fallait être capable de pouvoir réaliser ce que je voulais faire et ça, je pouvais le faire qu'en étant libre. C'était pas, voilà, c'est… La notion de liberté, elle était là. C'est être capable d'être libre financièrement et de dépendre que de moi et d'écrire le livre, mon histoire professionnelle, je la dois qu'à moi. Et je n'écris pas le livre du directeur de mon service qui me dit « fais ci, fais ça ». Non, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu proposes ? Parce que j'en ai fait une brève phrase. Qu'est-ce que tu proposes alors, du coup ? Alors, en fait, si tu veux, en dehors de mes 21 ans d'années de fonctionnaire, où j'étais animatrice, formatrice, chargée de sensibilisation sur l'éducation à l'environnement, dans le milieu des déchets, le tri, compostage, etc., j'ai aussi passé 20 ans de ma vie, je vais avoir 49 ans là le 16, voilà, mais 20 ans en tant qu'entraîneur sportive, d'athlétisme, préparation physique, foot, et du coup, ce qui me plaît au fond de moi, que j'ai toujours fait et que je sais faire, c'est ce que je fais là, c'est échanger, dialoguer, c'est animer et c'est le relationnel, voilà. Et ça, ben, je voulais le faire sur le bien-être, mais pour amener une prise de conscience par rapport à mon livre, sur être capable de s'assumer, etc., pour vraiment se trouver soi-même et créer ce qu'on a envie de faire. Voilà, et ça, en fait, cette recherche de soi, pour être la plus authentique possible et faire ce qu'on veut faire qui correspond à nos vraies valeurs et ce qu'on est au fond de nous-mêmes, ben ça s'apprend. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et ce cheminement qu'il faut faire, chacun en fait ce qu'il veut, mais pour arriver à faire ce qu'on a vraiment envie de faire, faut savoir se respecter. Et respecter ses besoins, ses envies. Et ben là, tu vois, moi, mon besoin et mes envies, ils étaient de faire quelque chose pour moi. Mais tout ça, je n'aurais pas été capable de le faire s'il ne m'était pas arrivé telle ou telle chose dans ma vie, que je n'avais pas pris du recul pour l'analyser. Et puis, pour travailler sur moi, ça, le sport, je savais faire. Mais j'ai changé aussi mon alimentation. Je suis devenue différente en matière de ça. Et puis, surtout, le pilier mental avec la gestion de nos émotions au quotidien. Parce qu'avec ce qui m'est arrivé, bah oui, j'ai appris des techniques, etc. pour pouvoir être alignée, vivre l'instant présent, pas m'occuper d'hier, pas trop me projeter sur demain non plus, sinon je rate ce que je fais là maintenant. Et ben, c'est tout ça, c'est toute cette petite révolution que ben, y a tellement de gens qui ne sont pas bien que du coup, j'appelle ça une quête vers le bien-être, vers le bonheur. Et c'est rappeler des bases essentielles comme ce que je faisais sur le tri. On dit toujours, ouais, c'est bon, on sait ce que c'est que le tri, on sait ce que c'est que le respect de soi, bien manger, mais on n'applique pas. Donc, des fois, il suffit d'avoir quelqu'un qui nous aide, qui nous booste, histoire de lancer la machine, parce qu'une fois que c'est lancé, c'est compliqué de refaire machine arrière. Quand on a compris que ben, le respect de soi, ce qu'on met dans notre bouche, qu'on respire, etc., et, ben, on y fait attention. Et ça, je veux pouvoir être un éveil de conscience sur ce que j'appelle de l'anti-gaspille humain. On est une véritable ressource, et ben, il faut se protéger, il faut se respecter, et puis et voilà, et ce capital qu'on a, il faut en prendre soin. Et c'est ça, en fait, que je veux faire. Ok. Un beau cheminement. Là. Ouais, alors je démarre. Hein. Tu as le côté sportif aussi qui n'est pas négligeable, où tu peux accompagner les gens aussi, ouais, dans la quête d'une remise en forme consciente, on va dire. Ouais, et puis c'est compliqué de… Moi, j'ai du mal à dissocier. C'est vrai que tout… Alors, je suis aussi en ce moment une formation de naturopathe. Hein, ça fait un an et demi que j'ai démarré. Et mon projet que j'ai présenté à Nîmes-Métropole, c'est mon dossier de présentation, c'est coach naturo. Voilà, ça me tient à cœur avec de la réflexologie plantaire. Enfin voilà, je vais ouvrir un petit cabinet et puis, mais on fait pas que de la réforme sur le sport, parce que si on fait du sport et que derrière on mange des merdes, enfin pour moi c'est pas ça, c'est pas une bonne attitude. Et puis on peut faire du sport mais être malheureux quand on rentre parce qu'on a tellement de choses dans sa tête ou une mauvaise histoire ou quoi que ce soit. Et puis on broie du noir, donc on n'est pas non plus le plus heureux du monde. Donc voilà, j'essaie de travailler sur les trois piliers qui me viennent. Voilà, bon, il y en a que quatre, moi j'en ai trois. Mais je dissocie pas l'un de l'autre. Donc si on fait du sport, ben j'en arrive à parler qu'est-ce que tu manges, et puis si la personne n'est pas bien, on en discute.
on libère un petit peu. Et puis, mais ça peut être une personne qui ne sait pas manger du tout. Et puis, ben, elle n'a pas besoin de moi pour faire du sport à côté. Mais oui, si elle ne sait pas, je vais pouvoir l'aiguiller, lui donner des conseils, etc. Bon programme, bon programme. Alors, moi, j'ai envie de te dire, et le regard des autres dans tout ça. Ah, mais si tu savais, quand je m'en fous. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on t'a pu te dire ? Est-ce qu'on t'a dit des choses déjà ? Ah ben oui. Mais fais attention, tu ne te rends pas bien compte. Hein. Et oui, c'est toujours les mêmes choses parce qu'on voilà, on le ramène toujours à ce qu'on a autour de nous où il faut assumer. Il faut assumer le côté financier. On en revient toujours à ça. Donc, sorti de là, ouais, fais attention, ça va être dur. Alors c'est vrai que là, avec la fonction publique, c'est tu passes d'une situation où du coup, tu es à vie quoi, dans ton job. Donc, il ne peut rien t'arriver quelque part, hein, à part une faute grave. Et de là, de passer un cap, de franchir une zone où tu ne sais pas vers quoi tu vas, tu ne pars vers avec rien. Et puis, c'est tout un nouveau réseau, on va dire, à mettre en place. Et ça ne se fait pas en un tour de main. Donc, ouais, c'est… J'ai pas eu énormément de soutien au niveau du travail. En fait, dans les relations, c'était souvent les entre-deux, prends à mi-temps, etc. Mais vraiment, des gens qui… De toute façon, il n'y a pas 50 000 personnes hein, qui franchissent les caps. Hein. Donc, c'est que tout le monde est dans sa petite zone et les gens préfèrent rester. Alors, il n'y a pas de critique, hein, c'est une analyse. Chacun fait ce qu'il veut, on a toujours le libre arbitre. Mais on préfère rester dans une zone hein, qui nous insupporte ou on fait métro, boulot, dodo. Hein, et puis voilà, sauf que, ben oui, sauf qu'après, au fond de nous, eh ben, on empathie. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, voilà. Et alors, comment tu vis tout ça maintenant ? Ah, mais là, je me mets des claques tous les jours en me disant, faut pas que tu te lézardes. Parce que figure-toi que je me rends compte que les heures passent vite, les semaines passent vite. Je me dis que les mois vont passer vite. Et moi, j'ai une année de transition, on va dire, pour pouvoir sortir quelque chose de bien. Mais c'est pas uniquement faire du coaching. Parce que, en fait, je vais faire aussi, je suis en train de créer un support de communication pour continuer à faire ce que je faisais, à mener ma plus-value sur le métier, sur l'éducation à l'environnement. Je suis maître composteur aussi. Donc, du coup, je veux garder mon ancien travail pour moi et proposer la prestation aux entreprises pour rappeler aux employés les consignes de tri, etc. Donc, voilà, je veux amener ça et proposer du bien-être à. Aussi aux entreprises avec des ateliers jus détox. Hein. Enfin voilà, et créer de l'échange autour de les deux étant liés, respect de soi, respect des autres, de l'environnement. Donc voilà, un beau challenge. C'est un beau challenge et ce qui est beau, c'est que là, Tommy, c'est possible, il démarre en même temps. Enfin, il est le moment où tu démarres et c'est super intéressant. Je pense que les personnes qui vont écouter, les auditeurs de cette chaîne, vont vraiment voir ce que c'est qu'un entrepreneur. Parce que tu es entrepreneur, plutôt, qui débute avec, elle s'est lâchée. Là, elle y est, ça fait un mois, elle crée ses offres, elle crée son univers, elle crée son message. Donc, je pense que ça va beaucoup résonner. Et j'ai envie de te dire, quel conseil tu pourrais donner aux personnes ? Quel conseil ? Toi qui viens de le faire, là, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui n'osent pas ? Qui a envie, ça vibre, mais qui n'ose pas. Eh ben, c'est juste la réponse du titre de mon site, qu'on est capable de. On est tous capables, on a tous cette force en nous, mais voilà, il faut pouvoir prendre des risques et oser. Alors, un conseil, c'est de le faire, bien sûr, et de s'écouter soi, d'écouter que soi. En fait, si tu veux, dans mon livre, j'écris que je veux pas me retrouver à l'aube de mes 90 ans en me disant d'avoir posé la mauvaise échelle sur le mauvais mur. Tu vois ? Et là, en fait, mais oui, parce qu'en fait, y a rien de pire que d'avoir des regrets. Et là, le travail que je faisais dans ma tête depuis quelques temps, de me dire, parce qu'en fait, mon projet, je l'ai développé il y a 3 ans que j'ai créé le site, mais c'était à côté. Et là, je me couchais à minuit, je veux écrire je démarre un autre livre, etc. Et tout ce qu'on fait à côté. Je veux dire, on n'a pas plus d'heures que ce qu'on peut en faire. Donc, à un moment, voilà, il fallait que je tranche. Et dans tous les cas, je savais que j'allais partir. Voilà. Mais il n'y a rien de pire que de se dire, putain, mais si tu avais su, et puis là, tu ne l'as pas fait. Et à un moment, c'est trop tard.
Mais c'était ça dans ma tête, c'est pas possible d'avoir de regret de dire t'aurais dû faire ça. Donc voilà. Et là, non. Voilà. Donc à un moment, si on a envie de le faire, eh ben on se donne les moyens de le faire parce qu'on a la capacité, mais il faut oser. Et il faut oser. Et pour pouvoir oser, il faut assumer de le faire. Parce que si tu n'assumes pas, tu auras toujours une notion de culpabilité qui va arriver derrière. Voilà. Et pour éviter la culpabilité et si et machin, avec des si, on refait pari. Donc, à un moment, on décide. Une fois qu'on a mûrement décidé, il n'y aura pas de culpabilité. On pourra s'en prendre qu'à soi-même et on aura osé et on n'aura pas les remords, pas au même titre si on n'avait pas mûrement réfléchi. Voilà. Puis bon, comme je dis, il n'y a pas de notion d'échec. En Non? France, on travaille l'échec. Dans d'autres pays, on travaille l'échec, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que même, il n'y a pas d'échec, il y a juste des enseignements. Donc, je te rejoins Ouais. vraiment à ça pour ça. Donc, oser, écoutez Sandrine, oser, oser être vous-même, oser sortir de votre zone de confort. Osez de faire ce qui vous fait vibrer, c'est hyper important. On mettra tes liens, Sandrine, et ton livre pour que ceux qui veulent aller Bien sûr, hein. l'acheter puissent l'acheter. Ou alors, de m'envoyer un petit mot, je peux l'amener en là, en direct. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous voulez une dédicace, elle vous la fera avec Voilà, grand pas de plaisir. problème. Ben écoute, merci pour ce beau témoignage. Je pense qu'il va résonner pour beaucoup de monde puisque tu es en début là d'entrepreneuriat. Donc c'est cool. Je pense que ça va résonner, ça va vibrer pour beaucoup de personnes. Je te remercie. Ouais, merci à toi Céline, merci beaucoup. J'avais hâte de faire cette interview, voilà, enfin interview, voilà, même comme ça. Mais voilà, je suis preneuse de mille et une. Je crée, voilà, je développe, je fais des partenariats et j'ai tellement confiance en l'avenir que je crois en moi. Donc ça va, voilà, faut croire en soi. Allez. On t'envoie plein de belles ondes positives, d'amour, de lumière pour la Ça y est. continuation de ta route sur ta voie. Nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain Oui, c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye! Merci.